Ça, c'est moi qui comprends toujours pas le principe de reprise tranquille après une pause. Ça, c'est pas terminé comme je l'espérais, mais on y reviendra un peu plus tard. Salut tout le monde, moi, c'est Kylian Twell. Vous avez peut-être déjà vu passer mes vidéos où je saute de toit en toit sur TikTok, Instagram. Pour faire simple, je suis un type qui adore sauter partout, surtout là où on n'a pas le droit d'aller, qui touche au cinéma. Et aux jeux vidéo. Hey! Off! Oh! Oh shit! On ferait bien de s'y mettre maintenant. Ah, c'est une longue histoire. Mais si tu trouves un moyen de me sortir d'ici... Et qui traîne avec pas mal de vos créateurs préférés. Je pensais que c'est plus... Fais pas la maligne, tu vas voir, après ça va se gâter. Vous êtes officiellement sur ma première vidéo YouTube. Quel précurseur! C'est certainement pour ça que je suis un petit peu crispé et que j'ai sûrement l'air d'avoir un balai dans le fion. Dans tous les cas, on part sur un petit vlog d'action aux alentours de Paris. Contexte. Dans moins d'un mois, on part à Lisbonne pour faire du contenu parcours avec les potes. Sauf que Houston, on a un problème. Avec les formats que je filme actuellement, ça fait des lustres que je me suis pas entraîné sérieusement. Mes jambes, c'est devenu de la mousse. Du coup, bah, je me suis programmé 2-3 petites sessions avec les copains pour me faire mal physiquement et mentalement. Et relancer la machine. Histoire de pas être à chaise dès le deuxième jour à Lisbonne. Du coup, le jour, des potes me donnent rendez-vous pour un petit entraînement à Bourg-la-Reine. Ah, l'arrivée de l'homme. Ça va quoi? Ça va poulet? Ça va? Tranquille. Ça parle de quoi là? Ça apprend des nouvelles techniques. Ça apprend de nouvelles techniques, ouais. Nouvelles techniques? Oh, j'arrive à peine, je prends une faciale de sable. Là, je prends doucement connaissance du spot et je commence discrètement à analyser ce que je peux y faire. Hey Dali, t'as vu ce que j'ai vu ou pas là? Tech, bras. Tu l'avais pas vu? Et très vite, je repère un truc bien fat. Pourrait s'agripper en saut de bras là-bas. C'est un 21,5. Un 21,5? 21, ouais. En quelle pointure? C'est en 42. Genre, si tu le prends avec le mur, on se met là-dessus. Tu te mets là-dessus, toi? Ouais, je suis chaud. Moi, j'ai un peu mal aux chevilles. Hein. Moi aussi. En fait, j'ai mal aux deux plantes de pied, là. Tombé à 40 km/h là-dessus. Et j'ai pas voulu faire des roulades et tout. Ah, ouais. Donc, je me suis mis à courir à 40 km/h, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça m'a fait full pied plat et je me suis niqué les talons. Quoi. Ah, non. Moi, je suis venu de base spammer Kung Gainer. Il est venu spammer un move. Bah, montre-nous, en fait. Bang! Passe en mode bebeu et je me mets en tête de faire ce saut de bras gigantesque. Je me pose et je commence à m'échauffer sur un petit saut. Et j'enchaîne. Oh, mais qu'est-ce que je... Le but, c'est d'envoyer pile la bonne énergie. Se stabiliser pointe de pied sur le mur en arrivant dessus. Mais putain, t'as... En fait, vous voyez, c'est ça quand on veut faire de la... qu'on fait de la muscu et qu'on perd le rapport poids-puissance. Attends. C'est bien, il est devenu BG, hein. Mais est-ce que ça vaut la peine de pastique, quoi? C'est ça la question. Ok, par contre, faut vraiment... C'est vraiment juste. Ça marche qu'une fois, j'ai plus de précision. Une lock, je vous jure. Mais bon, c'est pas grave, parce que l'objectif que je me suis fixé, c'est un bon truc de dozo. Il faut juste bourriner et se démerder pour avoir un impact pas trop violent au niveau des chevilles. D'ailleurs, c'est ça qui me fait un peu peur quand je commence à vraiment me chauffer dessus. Moi, le seul truc qui me ferait peur à ta place, c'est l'angle du mur et est-ce que la cheville elle va prendre. C'est ça en fait, c'est un peu un truc un peu sagouin, tu vois. Ouais, l'angle du mur il est comme as, c'est un peu sur le côté, c'est pas dans l'axe. Genre comme ça, ça aurait été parfait. Mais bon, là, comme ça. En fait, faut envoyer pour être tellement large. Ouais, que tu choisis. Tu choisis, ouais. On se déterre ou quoi? Ah, il y a les handbags. J'enchaîne 2-3 sauts de préparation. Oh. Et je me rends vite compte qu'en fait, ben, je suis déjà grillé, quoi. J'ai un try parce que mes quadrilles sont morts. Soit j'en vois maintenant, soit ça va commencer à devenir vraiment risqué. Let's go, let's go, let's go. Oh. Wow, le mec en titanium. Comment ça va? Ça va, ça va. Les genoux, ça va? Ouais, il y a le droit qui a un peu tapé, mais okay. Non, vraiment, j'avais amorti avant. Ah, t'es chaud, t'es chaud! Voilà, c'est pas grand-chose, mais je voulais prendre tranquillement mes marques avec le format YouTube avant de vous emmener sur du gros. Je vous laisse bien évidemment vous abonner en masse, je vais vous balancer de l'aventure, du frisson, du feat avec vos créateurs préférés. Bref, on va bien se marrer. Je sais toujours pas comment on conclut une vidéo YouTube, alors salut. Allez, faites pas de bêtises.